Et bonjour à tous les amis, c'est Froggy, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui nous allons parler de Gohan Ultime, donc le Gohan LR de la partie 2 de la Golden Week 2024. Donc on a déjà fait l'analyse, on a aussi parlé du data DL et du contenu, en tout cas pour l'instant, qu'on allait avoir pour cette partie 2. On n'a pas encore eu, au-delà des ZTUR annoncés qui ne sont pas des Dokkan Fest, hein, bien sûr, on n'a pas encore eu d'annonce potentiellement sur un... Eh bien, par exemple, les ZTUR du double Dokkan Fest Majin Goku. Je cale un mot très rapidement début de vidéo par rapport à ça, parce que je sais que la question va revenir, donc je me permets quand même d'en parler tout de suite. Donc là, pour l'instant, les amis, effectivement, on n'a pas encore d'informations par rapport à ça. Donc aujourd'hui, eh bien, évidemment, sans piternelle vidéo, est-ce que j'invoque ou pas sur Gohan Ultime, je vais vous donner mon point de vue. Et on va en parler, mais avant toute chose, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît, ça fait plaisir. Alors, Gohan Ultime, bon, on a analysé la carte déjà. Bon, alors, en vrai, on va regarder rapidement. On va refaire le point rapidement, un petit peu posé. Donc, en soi, Gohan Ultime, c'est une très bonne carte. Voilà, c'est une bonne carte. Il a vraiment pas du tout à rougir de ses performances. L'artwork, il est assez sympathique, parce que bon, ça compte aussi. Le problème qu'il y a déjà dans un premier temps, en fait, il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est sa catégorie. Son leader skill. C'est-à-dire que comme c'est un LR pièce jaune, c'est un petit peu dommage d'avoir un leader skill à 150% en 2024. Je veux dire, à un moment donné, il faudrait vraiment changer ça, ou au moins mettre du 170% aussi pour les LR pièce jaune nouvelle génération... Enfin voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve ça un petit peu dommage de le laisser à 150%, c'est un peu du gâchis, mais enfin bon voilà, après ça n'engage que moi, je sais que c'est un LR pièce jaune et que probablement ça ne changera pas, ou pourquoi pas introduire un LR carnival en deuxième partie de Golden Week, ça pourrait être sympa aussi pour passer un petit peu l'étape supérieure et avoir une carte avec un meilleur leader skill plus intéressant, parce que là tu l'utiliseras pas pour 150% de stats en endgame 2024, c'est ça que je trouve très très dommage. Au-delà de ça... jouer dans une team saga debout, en vrai, il a une belle synergie. Et pourquoi je surligne sur la page? Parce que tu vas regarder, ici c'est à son apparition, si deux alliés saga debout, animation d'apparition pendant deux tours, défense 58% pour tous les alliés qui plus 6 pour l'heure du combat. Ensuite, sur la troisième ligne, si tous les attaquants alliés du tour sont saga debout, changer sphère de ki de manière aléatoire en sphère de ki agilité. Lors de l'active skill ou lorsque les ki est à 24, attaque 58% en plus, très bien, ça c'est classique pour les cartes aujourd'hui, mais s'ils sont tous saga debout, défense plus 20%, tu vois, on est vraiment beaucoup, beaucoup axé saga debout sur le passif. Donc tu vas me dire, mais ouais, mais saga debout, Froggy, l'équipe elle est forte, et je vais te dire, mais évidemment, tu as raison, Billy, hein, n'est-ce pas, comme dirait le JDG. T'as raison, Billy, elle est forte, la catégorie saga debout. Malheureusement... Bah en fait c'est peut-être le problème justement les gars, c'est qu'elle est forte la catégorie saga debout, est-ce que t'as besoin d'un énième buff en fait? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as réellement besoin d'un énième buff saga debout? Saga debout les amis c'est ça, c'est le ZLR d'SV qui est quand même très très bon, le double Dokkan Fest qui vient de sortir qui est très bon, voilà, enfin déjà là, rien que ces trois cartes là avec un ami leader qui va bien, tu as 4-4 sur 7 qui sont vraiment très très fortes quoi. Et on ne parle pas de cet incroyable Boutenx, même si c'est un extrême, c'est pas excessivement grave dans ce cas-là. Ou même, bon, le LR des 8 ans, certes, il faut des doublons, mais ça reste quand même... bon, ça reste une bonne carte, on va dire, il stack vite, voilà. Donc, est-ce que ta catégorie réellement a besoin d'un buff, en vrai? C'est une vraie question, est-ce qu'elle a besoin d'un buff? Le Fatbou MF Tech, incroyable en ZTUR, Gotenks, il est très bon aussi. On a déjà une team qui a vraiment été EP de manière très très intéressante. Donc la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que réellement il va être utile? Et je le répète, il va être, hein, c'est le T, c'est pour toi, hein, c'est T apostrophe, il va être utile ou pas en réalité? Parce que s'il proc une super synergie en Sagabou, il faut évidemment le jouer en Sagabou. T'as un changeur de ki, c'est quand même très bon. Tu donnes de la def sur l'active skill, tu donnes de la def pendant deux tours au début du combat. C'est important de tanker au début du combat, surtout si tu as des unités qui stack, tu vois. Donc je trouve que c'est quand même plus intéressant. En plus tu prends un ki plus 6, donc tu pars quasiment tout le temps en ultime. Voilà. Bon après, c'est vraiment la question principale. Finalement, le premier défaut c'est son leader skill, et le second défaut c'est Saga Debout finalement. Et le fait qu'il dépende énormément de Saga Debout pour être utilisé à son full potentiel. Après attention, même en dehors de Saga Debout, il sera quand même très fort, puisque principalement, c'est de la def sur l'active skill et de la def qui vient s'ajouter au passif au début. Mais
Moi, j'aime bien utiliser les cartes dans leur complète utilité, avec la full synergie, et c'est vrai que voilà. Est-ce que tu as besoin d'un énième up dans cette team-là? C'est la question principale que tu dois te poser, ça dépend de ta box. Parce que si vraiment il te manque une ou deux unités très fortes en saga debout, déjà ça marque un point et ça vaut peut-être le coup effectivement d'invoquer sur cette carte-là. Ensuite, augmente l'attaque pendant 3 tours, augmente la def pendant un tour, très bien. Augmente l'attaque à l'infini, augmente la def sur l'ultime. Donc principalement, bah, si t'es en saga debout, tu partiras quasiment tout le temps en ultime, à moins d'avoir un plateau vraiment nul. Hein, parce que je te rappelle qu'il change l'équipe en sphère de qui agilité et qu'il est agilité, donc il partira encore plus vite en ultime. Augmente l'attaque à l'infini, ça peut être sympa au bout d'un moment pour faire des très bons dégâts aussi. Et attaque spéciale jointe, donc là, il faut que tu aies un Goten petit, un Trunks petit ou un Gotenks. Et là, effectivement, quand même, bon courage, parce que bon, bah, Gotenks, à part le fusion ZTUR là qu'on a eu, c'est quand même très très compliqué, à moins qu'il nous sorte un très bon Gotenks cheaté autre que sur une carte, n'est-ce pas? Puisqu'on a Piccolo Gotenks, là on a Gohan Gotenks et Piccolo. À quand un vrai Gotenks en fait? Je cale ça comme ça parce que je le pense très fort. Donc là, tu vois, c'est augmente fortement l'attaque, donc tu vas faire encore plus de très très bons dégâts. Et puis là, tu vas donner en plus de la def aux alliés, et ça, c'est très bien, tu vois. Donc, encore une fois, synergie, finalement, ouais, Gotenks, ouais. Synergie, plus sans mêlée pour le coup, pour ça, on va dire, à la rigueur. Sinon, bah alors, l'active skill, tu peux le proc sans trop de problèmes dans des niveaux endgame où... Bah, finalement, tu t'en fiches puisque c'est les PV de l'ennemi. Bon, à partir du 6ème tour, éventuellement. Mais il faut que tu aies encore un autre perso saga debout parmi les alliés attaquant du tour. Hein. Voilà. Mais je pense que ça, c'est à partir du 6ème tour avec un allié catégorie saga debout. Ou alors face à un seul ennemi dont les PV sont à 58% au moins. Ça reste pas totalement absurde pour proc. Et ça, par contre, tu vois, là, tu prends de la def. Tu prends du ki 24, dégâts suprêmes, etc. Donc là, l'active skill, tu vas faire des super dégâts et tu auras une très très bonne tankiness, par contre. Ça, il faut quand même le dire. Il a un très bon link set, évidemment, puisqu'il proc Famille Goku Jugement Serein qui donne 45% de def au lien 10. Et que surtout, les amis, il fonctionne très très bien avec El Famoso God ZTUR. Là, t'es une rotation vraiment très forte, hein, je rappelle, hein, 45% de def. C'est colossal en termes de lien. Donc, en termes de valeur, en vrai, quand tu calcules ses valeurs, il va pas avoir des valeurs monstrueuses en def. C'est ce qui peut aussi poser problème un petit peu par rapport à ce personnage-là. Mais voilà, ça reste une bonne unité, comme on dit, synergie certes, un petit peu loqué en saga debout, mais bon. Bon. Après voilà, les stats, c'est pas mauvais, je trouve quand même, hein, parce qu'à 100%, 15 000 de def, c'est beaucoup. Hein. Il a des stats intéressantes quand même, je trouve. Bon, après voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de la carte, en tout cas, puis il a des spé farmables, voilà les amis. Donc voilà. Il a des arguments, effectivement, pour vous faire invoquer quelques multi-invocations. Maintenant, qu'on a fait le point sur la carte, je vais donner mon point de vue, je trouve qu'il est intéressant. Si tu n'as pas une team saga debout complètement cheatée et qu'il te manque un slot ou deux, ça vaut potentiellement le coup de tenter ta chance. 2-3 multi. Voilà, tu mets 150 DS, tranquille, t'as eu beaucoup d'S pendant la Golden Week, c'est jouable. Maintenant, le portail. On connaît pas le portail. L'information aussi, pardon, c'est qu'il arrive demain à 10h. Voilà. Donc le portail, ça c'était le portail de Bulma. Le portail de Bulma, il y avait 3 LR. Si l'on part du principe qu'ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils partent sur le délire de mettre 3 LR sur le détecteur, avec donc 7 SSR, hein, tu vois ici t'as 7 SSR, on peut imaginer, quand on regarde les cartes LR saga debout, bah on peut très vite imaginer le détecteur parce qu'il n'y en a pas beaucoup des LR pièces jaunes. Évidemment, il y a le nouveau, mais il vient de sortir. Donc je mise moi sur Boost Super, sur le détecteur. Ça c'est free to play, ça c'est Dokkanfest, free to play, Dokkanfest, et hop, tu as qui? Vegeta. Potentiellement un ZLR, pourquoi pas. Ça rentrerait dans le thème, on l'attendait pendant les 8 ans, il n'est pas venu. Donc pourquoi pas sur le portail? Alors peut-être pas. À la rigueur, on peut dire que si lui il n'est pas sur le portail, c'est qu'il y a un potentiel ZLR incoming. Tu vois, on peut un petit peu spéculer dans ce sens-là. Sinon, la plus grosse probabilité, c'est de voir ces deux-là. Et pourquoi pas d'autres? Bah tout simplement parce que c'est soit des free to play, soit des Dokkanfest, soit Majin. Alors franchement, s'ils nous foutent Majin sur un détecteur maintenant, c'est pas cool. En vrai, ce serait pas cool. Parce que même là, ces persos sont moins pires que Majin, tu vois. Bon, je suis un petit peu méchant, mais en vrai, tu vois le message. Donc le portail, si vraiment on reste saga debout, c'est assez aisément devinable. Par contre, Gohan, c'est pas forcément que saga debout. Hein. Ça peut être aussi sauveur. Donc sauveur, LR, tu as potentiellement le Trunks, le Goku Piccolo. C'est jouable. S'ils partent du côté sauveur, ils peuvent te mettre Goku Piccolo sur le détecteur éventuellement.
Voilà, je m'arrête là, juste pour la spéculation du portail, parce qu'après, ça peut être aussi. Ils peuvent te mettre très bien une carte totalement random à côté. Genre, tu vois, avec Bulma, ils t'ont mis Vegeta. Et enfin, à la rigueur, c'est son mari, mais plus tard, sinon ça aurait été cringe, mais sinon, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, voilà pour ce qui est pour le point par rapport au portail. Ce sera pas, je pense, un portail très intéressant. Boo peut rendre le portail intéressant, parce que Boo, malgré tout, il est bon. Il est bon, puis il peut proc la garde et tout, donc ça reste une bonne unité, Boo, en vrai, le Boo super agilité, donc ça peut être sympa. Et maintenant, bah écoutez, les amis, sur la globale, moi j'ai beaucoup de DS, parce que j'ai droppé rapidement. Alors, alléluia, ça faisait 1000 ans que ça m'arrivait pas, c'est pour ça que je vous cale quand même un mot aussi par rapport à ça, c'est que sur la globale, j'ai droppé en 200 DS, 205 DS, parce que j'ai fait une single, j'ai droppé le Vegeta du Saiyan Day très vite. J'ai fait un cycle sur chaque à la Golden Week, j'ai eu pas mal de doublons très intéressants, puis après je lance une multi OZEF, je drop le Boo. Donc oui, effectivement, j'ai plus de 2000 DS. J'ai pas forcément stacké volontairement, j'ai quand même invoqué sur quelques portails et tout, mais là, j'ai arrêté d'invoquer à la Golden Week parce que les unités reviennent au million, ça sert à rien de se foutre en l'air sur ces portails, je vous le répète encore une fois, voilà. Maintenant, c'est pas absurde dans mon cas de tenter 150 DS sur ce portail-là. Donc on verra si je vous fais une vidéo invocation depuis mon lieu de vacances. Mais en tout cas, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Moi, il peut. Bon, j'ai tout en saga de Boo, hein, j'ai tout évidemment. Mais ça peut potentiellement. Ça peut parfaire la team. Hein, j'ai pas le Goku CJ3, tu vois. Mais ça peut parfaire la team, pourquoi pas. Puis c'est une carte que j'aime bien. Hein, c'est un Gohan Ultime LR. La carte est jolie. Bon, à la rigueur. Pour moi, je pense que ça vaut quand même le coup de tenter sa chance, mais par contre, j'irai pas au-delà de 150 DS. Hein. C'est-à-dire que je ferai pas plus de 3 multis. Après, ça, c'est à vous de voir. Si vous avez, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. Si vous avez 400 DS ou moins, ou 500 DS ou moins, on va dire, vous n'invoquez pas. Parce que, bah, il y a l'anniversaire. L'anniversaire, c'est dans moins de 2 mois. Donc, ce serait un petit peu dommage de claquer toutes ces DS maintenant, sachant que tu as l'anniversaire avec des portails craqués qui arrivent. Maintenant, tu as plus de 500 DS. Tu peux claquer 2 multis, 3 multis sur le portail. On est rincé à la Golden Week en vrai. Donc si t'as pas déjà mis des sommes colossales de dés sur les portails de la première partie, c'est pas totalement absurde d'envisager de mettre 2-3 multis grand max sur ce portail. Après, il y a plein de gens qui ont vu le kit, ils ont dit ok, free skip. Il y a plein de gens qui ont vu les animations qui franchement sont vraiment pas terribles, je suis désolé de le dire, mais moi en tout cas je trouve que c'est vraiment vraiment pas terrible. Ils ont pas fait beaucoup d'efforts. C'est ce genre de carte où t'as l'impression que les animations, ils les ont faites il y a 5 ans, tu vois, et qu'ils te les balancent maintenant. Je déconne un peu, mais tu vois le principe. Donc voilà. Voilà, ce que j'en pense. Je pense que ça peut valoir le coup, mais vraiment avec parcimonie. À la rigueur, même si t'es pas trop chaud, mais que t'as quand même envie de tenter, bah, tu lances la multi du frisson éventuellement. Mais je serai pas sur un hard skip clair et net. Voilà. Bon, par contre, encore une fois, et pour terminer encore là-dessus, pour que ce soit clair. Il y a un certain seuil de DS par rapport à l'anniversaire, je trouve, parce que c'est entre 500, en vrai, c'est entre 500 et 600 DS pour faire suffisamment de cycles sur les portails. Donc, voilà. Par contre, tu t'as 1000 DS, 1500, 2000 DS, etc. Tu peux balancer 2-3 multi, ça te tuera pas, quoi. Voilà, en tout cas, les amis, ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire, vous, hein, ce que vous en pensez, évidemment, ce que vous allez invoquer, combien de DS vous allez mettre sur ce portail. Est-ce que la carte vous intéresse? Est-ce que vous la trouvez complètement nulle? Est-ce que ça vous sert à rien? Comment vous l'intégrez dans votre team? Etc. etc. Et puis sur ce, moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner évidemment pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Prenez soin de vous. Et puis bon, bah, on se retrouve très vite, potentiellement même demain, pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Salut!